commencer la seconde conférence de l'après-midi avec un peu de silence, s'il vous plaît, parce que là, actuellement, nous sommes en direct sur YouTube. Deuxième intervenant, c'est Jean-Marie Marc, animateur au club d'astronomie de la MJC de Douai, qui va nous causer d'un sujet très, très gai, la mort des étoiles. Donc l'intitulé de la conférence, ce sont les espérides du ciel, tout simplement parce que Jean-Marie va vous parler des amas globulaires qui sont quand même, en termes plus communs et plus directs, des miroirs d'étoiles. Donc on va parler des miroirs d'étoiles. Jean-Marie, c'est à toi. Merci Philippe et merci à tous d'être venus. Donc écoutez cette petite présentation. Oui, les amas globulaires, en fait, oui, on peut les appeler des EHPAD d'étoiles. Ce sont des miroirs. C'est là que les étoiles finissent, pas toutes les étoiles, mais les étoiles qui sont présentes dans les amas globulaires sont en grande partie, on va le voir, très âgées. Elles ont l'âge quasiment de la galaxie. On arrive à entre 10 et 15 milliards d'années, à peu près. Ce sont des étoiles de très très longue durée de vie, puisqu'on verra que les plus massives, celles qui évoluent le plus vite, ont disparu depuis très longtemps à l'intérieur des amas globulaires, qui eux se sont formés il y a très longtemps. Alors ces objets, bien sûr, tout le monde les connaît. Ici, une très très belle image du grand amas M13 d'Hercule. Ce sont des objets qui, pour l'astronome amateur, sont avant tout des objets esthétiques. Tout le monde aime les observer, ne serait-ce qu'en visuel, puis ensuite s'exercer à la photo dessus, bien sûr. Mais au-delà de cet aspect esthétique qu'on a à pouvoir les résoudre en étoiles séparées, eh bien, ce sont des objets astronomiques et astrophysiques très intéressants qui permettent de modéliser pas mal de choses, en particulier de modéliser l'évolution des étoiles, parce que l'avantage de ces amas, c'est que leur population est assez homogène. Ce sont des étoiles qui ont des masses assez faibles, ce sont des étoiles qui ont à peu près la même composition chimique. En astrophysique, on dit métallicité, la présence d'éléments autres que l'hydrogène et l'hélium. Et justement, ça permet, toute chose égale par ailleurs, de fixer un certain nombre de paramètres et de voir l'importance du paramètre masse. C'est le très très bon laboratoire d'études, justement, là-dessus. Hein. Ça, c'est important. Donc, Philippe, numéro 2, si tu peux. Ah, clic, clic. Oui, il faut que ça arrive. Ouais. Voilà, d'accord. C'est ce que je vais vous dire en fait. Ce sont des laboratoires astrophysiques, ça permet d'étudier les évolutions. Mais on verra aussi que ça permet de mesurer des distances par des méthodes photométriques. En fait, ils peuvent constituer aussi des chandelles standards, comme on dit en photométrie. Et ensuite, ils ont permis aussi, par l'étude de leur trajectoire, de déterminer avec précision la position du centre galactique. Où est le centre de masse, où est le centre de gravité de la galaxie? C'est pas si évident à trouver, même quand on voit la trace de la Voie lactée dans le ciel. Et justement, on a réussi, grâce à la trajectoire simulée et étudiée de pas mal d'amas globulaires, de voir qu'en fait, ils orbitent tous sur des orbites elliptiques, mais homofocales, avec un foyer commun. Et ce foyer commun, c'est le centre galactique qui, par rapport à nous, est situé dans la direction de la constellation du Sagittaire. Donc, on va passer au suivant. Ça, c'est encore le grand amas d'Hercule. Alors, c'est quoi un amas globulaire? C'est un groupe très serré d'étoiles. Alors, c'est concentré vraiment en pelote d'étoiles dans un espace à peu près sphérique. C'est vraiment des boules. Pourquoi ces boules, d'ailleurs? Pourquoi c'est la forme d'une boule et pas la forme d'un disque aplati comme les galaxies? On va en parler. Et puis, entre, vous voyez, à peu près 50, 300 années-lumière. Donc, c'est pas très grand. La Voie lactée, c'est 100 lumière de diamètre pour le disque. Épaisseur 10 000. Bon. Ici, on est à 300 années-lumière à peine. Donc, ce sont des petites boules à l'échelle de la galaxie. Alors, on en connaît des dizaines, on en connaît même des centaines de milliers. Dedans, il peut y avoir des millions d'étoiles. Et dans un volume très petit, donc la distance moyenne entre ces différentes étoiles est très faible, on va le voir. Et les effets induits par cette proximité sont très intéressants aussi. Alors, on a une énorme densité dans la région centrale. Au M13, par exemple, le diamètre à peu près de 145 années-lumière. Il est à 25 000 années-lumière de nous, c'est-à-dire en dehors, on va le voir, du plan galactique. Il appartient à ce qu'on appelle le halo, qui est la sphère qui englobe en fait le disque galactique. Et on pense qu'il contiendrait de 100 000 à 1 million d'étoiles, mais c'est encore assez imprécis, l'ordre de grandeur y est, parce qu'on a du mal à les toutes les compter, bien sûr. Elles sont très nombreuses et très serrées. En gros, d'après les modèles que l'on a en ce moment, on a une densité dans la région centrale qui est de 500 fois la densité stellaire périsolaire, autour du Soleil, ici. Ça va vous donner une petite idée.
ici dans la zone ouest soleil, dans le bras d'Orion, bah, l'étoile la plus voisine, vous la connaissez, c'est Proxima Centauri, elle est à 426 années-lumière. Sur l'ordre de grandeur de la distance étoile-étoile, à ce niveau-là, sur de l'ordre de 5, 6 années-lumière à peu près. Hein. Là, avez-vous une idée de ce que ça représente? Je ne vous fais pas le calcul, hein, mais on peut s'amuser facilement à faire le calcul de densité. La distance moyenne d'une étoile à la voisine, c'est 2 mois lumière. 2 mois lumière, c'est presque rien. Alors, le nuage de Oort, pour vous donner une idée, le réserve de nouveaux cométaires, c'est une année lumière. C'est 4 fois plus petit, 4 à 5 fois plus petit que le nuage de Oort, la distance. Vous imaginez qu'il y a un soleil et puis que là, il y a une autre étoile située au-delà, ou quand même, bien sûr, de la ceinture de Kuiper, mais quand même, une étoile très proche. Oh, ben alors là, il suffit de faire le calcul. La Jupiter, c'est le quart d'heure lumière. Hein, quart d'heure. Enfin, ça dépend de la distance. Là, on est quand même à quelques mois lumière. Mais à l'échelle stellaire, c'est minuscule. Donc ces étoiles sont très très proches les unes des autres et elles ont une influence gravitationnelle et aussi au niveau du rayonnement. Les unes éclairent les autres, reçoivent du rayonnement, en réémettent et donc il y a une attirance forte entre ces étoiles qui sont très proches. C'est ça. Donc ça, c'est un laboratoire intéressant. C'est une zone très dense d'étoiles. C'est ça qui est bien. Donc on peut passer à la suivante si tu peux. Très peu, parce que si c'était en rotation propre, ça ne prendrait pas l'aspect d'une sphère. Ça s'aplatirait, bien sûr. Leur moment cinétique, leur rotation propre est très, très lente. C'est parce qu'ils tournent un peu. Mais c'est uniquement la rotation qui joue. Mais beaucoup d'entre eux sont quasi sphériques. Hein. Donc la rotation propre est assez faible. Voilà, c'est ça. Alors, voyez, le premier, c'est M22, hein, qui a été trouvé dans le Sagittaire. Hein. C'est Abraham Hill, 1665. Hein. Alors, il n'a même pas vu que c'était un amas d'étoiles. Pour lui, c'était une nébuleuse. Hein. À l'époque, on savait très bien que les caractéristiques optiques étaient telles que les instruments n'avaient pas beaucoup de pouvoir résolution. Et par conséquent, ben, on voyait une tache lumineuse, et c'est une nébuleuse. Comme ça qu'on parlait. Et là, ben, il repère ce truc-là, effectivement. Tiens, c'est drôle. Hein, donc. Alors, M22, c'est pas lui qui l'a appelé ainsi, hein, bien sûr. C'est Messier, hein, bien sûr, qui l'a appelé comme ça, hein, M22, dans son catalogue. Mais Messier a réalisé son catalogue après, bien sûr. Hein, mais il a commencé par répertorier les objets déjà connus. Hein. Aller à découvrir le Oméga Centauri, hein, c'est le plus gros amas globulaire, hein, de la Voie lactée. Hein. Étoile, un peu flou parce que les instruments d'optique n'étaient pas suffisamment performants. Hein. M5 aussi observé en 1702. Vous voyez ça, la fin du 17e et le début du 18e qu'on a commencé à observer les amas globulaires. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on a commencé à avoir de l'optique. Une optique suffisamment performante pour pouvoir grossir et détecter les objets faibles. Hein. Avant, on ne le voyait pas, bien sûr, à la nuit. Hein. C'est tout à fait normal. Next, please. Voilà. Alors, bien sûr, on ne peut pas parler de ça si on ne parle pas de notre furet des comètes, hein, c'est-à-dire Charles Messier, hein, le fameux Messier, hein, qui a établi son catalogue en 1781. Voilà la tête à Messier, avec une belle perruque à la Louis XVI, vous voyez, effectivement. Hein. Alors, toujours pareil, lui, il a répertorié ces différents amas globulaires, mais les autres amas aussi. Hein, tout ce qui était objet nébuleux, il l'a mis dans son catalogue. Hein. Lui, il a découvert quand même 29 amas. Hein, il appelait ça des nébuleuses rondes. Hein, dont 20 nouveaux. Il a catalogué 29 amas, dont 20 nouveaux, bien entendu. Hein. Il était aussi le premier à pouvoir résoudre M4 en étoiles. C'est-à-dire bien voir que ce n'était pas du gaz, mais c'est vraiment des points, des étoiles séparées les unes des autres. Hein. Ça, c'est déjà pas mal aussi. Hein. Alors, une petite remarque quand même. Hein. L'un des amas Messier, le M54, n'appartient pas à la Voie lactée. Il n'est pas en orbite autour de la Voie lactée, il est en orbite autour de la galaxie naine du Sagittaire. C'est une satellite de la Voie lactée, mais ce n'est pas vraiment la Voie lactée. Donc on a déjà repéré un amas globulaire qui n'était pas directement lié déjà à cette époque-là. Hein. Alors Messier, pour la petite histoire, bien sûr, c'est fuir les comètes, parce que c'était essentiellement un chasseur de comètes, mais pour ne pas confondre les comètes arrivant. Bon, en général, quand une comète arrive, Philippe pourra le confirmer, on voit un halo, hein, au départ. Et ce halo, on peut très bien le confondre avec un objet déjà existant. Et donc, Messier avait eu l'idée de dresser un catalogue des objets déjà connus, de façon à ne pas se tromper, et à être sûr d'identifier un nouvel objet arrivant, en l'occurrence pour lui des comètes. Et en faisant ça, il a répertorié plein d'objets qui n'étaient pas des comètes, mais il a fait énormément pour les nomenclatures astronomiques. Ça qui est intéressant aussi. Alors bien sûr, le plus célèbre, bien sûr, c'est Hercule, hein, qui est là. Alors M13, tout le monde sait bien où il est, bien sûr, il est ici, hein, par rapport à ce côté-là du trapèze d'Hercule. On le repère très facilement dans un instrument, quand on fait l'astronomie d'amateur, bien sûr. C'est le moment de l'observer, c'est toujours très intéressant. Donc le suivant, si tu veux.
Voilà. Alors, les anneaux de Euler, ça a passionné évidemment les astronomes à l'époque. Il y avait le célèbre Herschel, vous voyez, là on arrive à la fin du XVIIIe siècle quand même. Hein. Il a essayé de recenser systématiquement les objets dans le ciel et il a trouvé une quarantaine de nouveaux amas. Donc vraiment, c'est venu un peu à la fond. Hein. C'est lui d'ailleurs qui a proposé, paraît-il, le terme amas globulaire. C'est-à-dire c'est bien un amas d'étoiles indépendantes, mais en forme de boule. Hein. Alors, après les travaux d'Herschel, surtout, il y a quelque chose de fondamental. Les gens se sont posé la question, mais pourquoi ces étoiles restent ensemble et forment une boule? Il n'y a pas de raison, après tout. Si elles étaient indépendantes, elles devraient finir par se diluer dans l'espace, se disperser. Pour une petite idée, une petite histoire, bien sûr, on est à l'époque de... un petit peu après la théorie de Newton, Newton c'est le XVIIe siècle, hein, bien sûr, mais enfin on arrive quand même à l'époque où on exploite à fond la mécanique de Newton, et en particulier on interprète les interactions entre les astres par la force de gravitation, et pour lui, eh bien, son hypothèse c'est que la cohésion est justement assurée par les forces de gravitation. Donc déjà on a un modèle de structure de ces amas. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Dès qu'un système physique prend la forme d'une boule, c'est qu'il est dominé par la gravitation. C'est ce qui distingue une planète d'un astéroïde. Évidemment, la masse est suffisamment grosse, la gravitation devient dominante et l'objet prend spontanément la forme d'un astéroïde. Ben là, c'est pareil. Donc, il a supposé qu'effectivement, c'était encore la formation. La structure interne de tout ça était dominée avant tout par la gravitation. Alors, comme on le disait, quand ils sont en rotation propre, il apparaît une accélération parasite ou une accélération d'inertie qui aplatit un petit peu le truc. Hein. Mais globalement, c'est la gravitation qui commande. L'accélération d'inertie étant d'ailleurs une forme artificielle de gravitation, puisque accélération veut gravitation. Donc, ça revient au même. On peut continuer. Voilà. Alors, les amas globulaires, on a tout plein. Hein. Dans la Voie lactée, actuellement, on a répertorié au moins, on est sûr, plus de 150 amas autour de la Voie lactée. Alors, ils sont où? Ils sont à deux endroits différents avec des compositions, on va le voir, un petit peu différentes. Hein. L'essentiel se trouve dans le halo. Le halo, c'est quoi là? Vous avez une vertige de la Voie lactée vue de dessus. Hein. Et là, vous avez une vue par la tranche. Alors, c'est un disque assez aplati avec un noyau. Un peu plus renflé, et puis là vous avez les en anglais, hein, globular clusters, cluster, oh, voilà un mot qui est à la mode, hein. Les amas globulaires, hein, ils sont ici donc dans le halo, dans cette zone sphérique qui est autour du disque galactique, hein. Il y en a tout plein, c'est le cas de M13 par exemple, de M5, etc., on les connaît bien. Hein. C'est intéressant parce que s'ils sont là et pas forcément dans le disque, c'est que leur origine peut être relié à la formation de la galaxie. Pardon? Non, le halo. Mais il n'y a pas que dans le halo. Hein. Alors on peut continuer. Il y a aussi un petit peu d'amas dans le disque. Mais beaucoup moins. Et leur composition, leur population stellaire est un petit peu différente. Hein. Et ils sont distribués selon une structure un peu aplatie, on peut en parler. Hein. 13 000 années-lumière du disque, à peu près, bon, c'est dur que c'est pas très épais. Non, ils sont plus près du plan du disque. Oui, ouais, sinon on n'en a pas. Hein. Voilà, donc on peut continuer. Voilà. Alors ça, c'est toujours... Attention, donc là, on représente un petit peu... On peut y aller, Philippe, si tu veux, si c'est possible. Ah oui, les amas du disque, c'est bon, donc on y est. Voilà, j'ai pris la méfaite, hein. Ça passe pas, si... Oui, si tu veux, voilà. Hein. Alors, ils sont pas fixes, hein, par rapport à la galaxie, ils sont en orbite autour du centre galactique, qui est le centre de masse. Ce sont des orbites très allongées et qui ne sont pas parallèles au plan, hein, de la galaxie. Donc en fait, ils passent ici comme ça. Et régulièrement, d'ailleurs, on voit qu'ils vont traverser le disque galactique, ce qui va les perturber fortement à chaque fois qu'ils vont passer dedans. Alors la période de révolution est environ de 300 000 ans à peu près. Bon, ils viennent périodiquement dans cette région centrale, là, qui est donc pour nous les constellations du Sagittaire, les constellations voisines, avec donc une période de peut-être 100 millions d'années. Hein. On en a déjà observé des milliers. On pense qu'il y en a des dizaines de milliers observables. On est qu'au début de l'étude des amas globulaires. On voit que c'est vraiment des objets intéressants. Suivant.
Alors, c'est quoi les rayonnements globulaires? Dès qu'on est à faire attention, vu que c'était des étoiles séparées les unes des autres, on essaie de voir un peu la composition. Qu'est-ce que c'est que ces étoiles, évidemment. Le problème de Schrödinger, vous voyez, là on est fin 18e siècle, hein, on en a parlé, donc on aborde maintenant le 19e. Le 19e, c'est l'invention et le développement de la technique de spectroscopie. Et grâce à la spectro, on va pouvoir déterminer un certain nombre d'informations, en particulier la composition de ces étoiles, on va le voir après. Hein, par l'étude du diagramme de Hertzsprung-Russell, j'ai oublié le R. C'est une honte. On voit aussi, bien sûr, que c'est, en fait, ces étoiles, je vais développer ce point maintenant, ont à peu près la même composition chimique, ce qu'on appelle en astrophysique la même métallicité. Alors attention, on va voir un peu ce qu'on appelle métal en astrophysique, c'est pas un métal au sens du chimiste. Hein. Un élément plus lourd que l'hélium. Ça commence au l'hélium. Au bord, carbone, azote, etc. Pour eux, c'est déjà du métal. Hein. Donc la composition chimique, or, hydrogène et hélium, évidemment, qui est majoritaire dans une étoile, va être intéressante. Et là, elle est la même. Ça, c'est quand même intéressant. Et ces étoiles, elles ont toutes à peu près le même âge. Mais cet âge, il est très, très, très grand. Ce sont des étoiles très vieilles, d'où le mot hespéride, hein, dont j'employais tout à l'heure. Et grâce à la spectro, également, on a pu, par effet Doppler, repérer les vitesses de ces étoiles et comparer leur mouvement propre à celui qui peut être déduit du modèle mécanique d'interaction entre toutes ces étoiles qui forment une sphère. Donc là encore, on a pu étayer les théories avec ce genre de truc. Si on peut continuer, voilà. Alors je vais vous parler un petit peu du diagramme de Hertzsprung-Russell. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié le R, c'est bon. Hein, parce qu'il va falloir y passer un peu, hein, c'est peut-être un peu technique, mais si on veut vraiment bien comprendre comment étudier une étoile et comment étudier la population d'étoiles de nos modes globulaires, il faut parler un petit peu du diagramme HR. Donc on va parler un petit peu. Il a été élaboré en fait par deux personnes. Un Danois, un chimiste, Einhard Hertzsprung, hein, vous voyez, donc, qui est mort au milieu du XXe siècle. Lui, il a déterminé la distance de plusieurs étoiles pulsantes, hein, appelées céphéides, de l'ombre lactée. C'est la méthode de la parallaxe. Hein, ça a permis de calibrer en particulier la relation périole-luminosité des céphéides qui avait été découverte par Henrietta Leavitt, hein, c'était l'assistante et la thésarde de Hubble. Et après tu vois, on avait trouvé en fait que la luminosité est moyenne, bien sûr, parce qu'elles sont variables, hein, et la période des oscillations de ces étoiles était directement liée par une relation non statistique. On a ici deux populations en fait de céphéides qu'on voit bien arriver ici. Donc ce monsieur s'intéressait déjà à la luminosité des étoiles. Et puis l'autre compère du groupe, et ils ont travaillé de façon indépendante. Hein. Donc on passe au suivant. Voilà, c'est Henry Russell, un astronome, alors que lui était entre autres directeur observatoire de Princeton. Il y a un cratère sur la Lune qui s'appelle Russell, si je ne me trompe. Hein. Sur Mars aussi, paraît-il. Il y a même l'astéroïde. Hein. Alors tous les deux ont vu en fait qu'il y avait une relation intéressante entre la luminosité intrinsèque d'une étoile et sa couleur, sa température de surface, ce qu'on appelle sa classe spectrale. C'est pas n'importe comment. Et ils ont eu l'idée de représenter les étoiles. Ils ont l'idée de représenter chaque étoile par un point sur un diagramme, avec en abscisse, on va voir une grandeur qui est relative à la température de surface, et en ordonnée, quelque chose qui est relatif à la luminosité intrinsèque. Nous, en astronomie, on appelle ça la magnitude absolue. Donc on va passer à la suivante. Voilà. Alors ce diagramme, il ressemble à ça. Après, on va le développer un petit peu. Hein. Alors, on va le construire en cliquant dedans. Tu peux cliquer dedans un peu à la fois, on va voir ce que ça donne. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc, vous voyez, en fait, on a ici, en abscisse, hein, une grandeur. Mon truc laser, il a l'air de ne pas marquer non plus. Voilà. Ici, en abscisse, on a une grandeur qui, en fait, est relative à la température de surface de l'étoile. Alors, vous voyez tout de suite un petit détail. Les températures basses, ici, j'ai 3500 Kelvin, sont à l'extrémité droite de l'axe des abscisses, alors que ici, très près de l'origine, vous trouvez au contraire les étoiles chaudes. Là, on est à peu près à 40 000 Kelvin. Donc c'est inverse en température. En fait, dans le vrai diagramme, c'est le log de 1 sur la température absolue. Ou moins le log de la température absolue. Bon, enfin, c'est logarithmique, hein, c'est pas direct. En ordonnée, c'est l'éclat intrinsèque. Allez, c'est la magnitude
absolue de l'étoile, intrinsèque, hein, pas apparente. Et alors on se rend compte d'une chose, c'est que la plupart des étoiles se retrouvent là, c'est-à-dire ici, sur cette qu'on appelle la séquence principale. Hein. Alors ici on a tracé en bleu des lignes qui représentent des isodiamètres. En fait, les étoiles qui sont sur une même ligne ont le même diamètre, la même taille. Là, vous avez la taille du Soleil, bien sûr, vous avez un diamètre solaire. Là, vous en avez 10, elles sont 10 fois plus grandes. 100, 1000, et ici, c'est pareil, donc c'est logarithmique. Un dixième, un centième, etc. Alors, c'est quand même curieux que la plupart de ces étoiles, ici, soient rassemblées le long d'une, pratiquement d'une droite. Dont l'équation est simple à trouver, avec les lois de la thermodynamique. Hein. Ça se fait avec des étudiants de deuxième année, ça. C'est pas très compliqué. Hein. Ici, vous avez les étoiles bleues, hein, évidemment, donc elles sont plus lumineuses parce qu'elles sont plus chaudes. Et ici, vous avez les étoiles plus moyennes, comme le Soleil, hein, c'est-à-dire les naines jaunes, qui sont un peu moins lumineuses, quoique étant à peu près de la même taille parce qu'elles sont moins chaudes. Et là, vous avez les étoiles rouges, qui évidemment, elles sont moins lumineuses parce qu'elles sont moins chaudes. Qu'est-ce qui va faire qu'une étoile va briller ou pas? Il y a deux paramètres. Et la température de surface, plus c'est chaud, plus ça rayonne. Alors là, ça grimpe très vite, puisque ça grimpe comme la puissance 4 de la température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la température double 2 à la puissance 4, ça fait 16. Autrement dit, l'étoile à surface égale va être 16 fois plus lumineuse. Mais ça dépend aussi de quoi? De la taille de l'étoile. Il est évident que plus la photosphère est grande, plus ça émet d'énergie. Et ça va dépendre du carré du rayon. Ça va dépendre de la taille et ça va dépendre de la température. Si ces étoiles sont ici, selon la séquence principale, c'est qu'elles ont toutes à peu près la même taille, sauf les rouges un peu plus petites, hein, mais simplement leur différence de luminosité, elle est due à une différence de température, globalement. Mais ensuite, il y en a d'autres. Donc si on continue, en cliquant dedans, il va apparaître une nouvelle catégorie. Je pense que ça va passer. J'espère, sinon on prendra l'autre qui suit après. Normalement c'est animé, mais je ne sais pas si... Oui, si je clique dedans, normalement il va apparaître... Voilà, ça y est, hein, ça marche. Donc vous voyez, cette fois-ci, on va apparaître une nouvelle catégorie d'étoiles qui sont froides, donc qui apparaissent rouges, mais qui sont beaucoup plus lumineuses parce qu'elles sont beaucoup plus grandes. Là, c'est le paramètre taille qui vient d'intervenir maintenant. Alors là, on arrive à, vous voyez, en terrestre, ça, par exemple, on arrive à entre 100 et 1000 diamètres solaires. Donc c'est vraiment du géant, hein, un peu comme Betelgeuse, dont on a parlé l'année dernière. Hein. Ça, c'est les géantes rouges. Alors ça, c'est pas sur la séquence principale, c'est ce qui arrive quand on quitte la séquence principale. Ces étoiles-là qui sont sur la séquence principale, ce sont des étoiles qui sont dans le régime de fonctionnement normal, naturel, du début d'une étoile, c'est-à-dire qu'elles fusionnent tout doucement leur noyau d'hydrogène en hélium. Transformation hydrogène-hélium. Ça va changer quand on va manquer d'hydrogène dans le noyau. Là, le noyau va commencer à s'effondrer, parce que la gravité l'emporte. Les couches périphériques d'hydrogène qui n'avaient pas encore brûlé, entre guillemets, qui ont fusionné, elles vont tomber sur le noyau. Elles vont chauffer et donc elles vont se mettre à nouveau à fusionner à leur tour. Résultat, la puissance dissipée va être plus importante. La pression de radiation va devenir plus fort, la boule externe de l'étoile va enfler, l'étoile va grandir, mais s'éloignant de sa chaudière, la surface va devenir moins chaude, et donc on va avoir une étoile grande et plus rouge. Ça va devenir une géante rouge, tout simplement. Ça, c'est le stade. Alors que fait une étoile? Elle est là, sur la séquence principale, et quand elle a fini, elle passe ici sur la branche des géantes, hein, tout simplement. Alors la suite, si tu veux, il y a d'autres populations, bien sûr. Là, il n'y en a pas dans les amas globulaires. Mais il faut qu'on développe... Non, le diagramme, si tu veux. Toujours dans... Voilà, c'est ça. Les géantes bleues, c'est pareil. Hein. En tout cas, elles sont bleues, elles sont plus chaudes. Hein. Et puis, elles aussi sont ici. Alors là, elles sont beaucoup plus brillantes que le Soleil. Vous voyez pourquoi? Parce que d'abord, elles sont plus chaudes, et puis ensuite, elles sont plus grandes. Alors, genre Rigel, par exemple, qui n'est pas la plus grande, bien sûr. Et puis ensuite, on a d'autres types d'étoiles, enfin, peut-être encore en cliquant dedans. En cliquant... Non, ça ne vient pas, ça apparaît pas, si tu veux.
Ah oui, attends, allez, encore un petit peu, ouais. Ah oui, la super géante, oui, pardon, j'attendais, j'ai les mêmes plans, c'est pour ça que... Hein. Les super géantes rouges, oui. Alors ça, évidemment, c'est une étoile très massive, hein. Donc ici, au départ, la séquence principale, qui, ouais, bon, va évoluer comme ça en super géante rouge, comme Betelgeuse, par exemple. Ensuite, on va arriver à la fin. Il faut présenter un petit peu ce diagramme, hein, parce que sinon, on ne comprend pas vraiment ce que ça raconte. Voilà. Et là, on a les cadavres stellaires, hein, c'est-à-dire, en fait, les naines blanches. C'est ce qui arrive au noyau d'une étoile après son stade de géante rouge. Elle finit par évaporer sa photosphère externe qui part en nébuleuse planétaire. Hein. Tout le monde connaît M57, hein, bien sûr. Et puis le noyau, lui, il s'effondre, et il donne une naine blanche. Une naine blanche sera à peu près la taille de la Terre. Quelques milliers de kilomètres de diamètre avec une masse stellaire. Quoi. Donc ça fait quand même une belle densité. Il y a mieux, hein, mais déjà une densité assez respectable. Hein. Voilà, ça ce sont des cadavres stellaires, évidemment. Hein. Alors là-dessus, bien sûr, il n'y a pas les étoiles à neutrons, et on ne les connaissait pas. Il y a encore moins les trous noirs, hein, bien sûr, parce que là, on ne va pas les faire figurer dans le diagramme HR, puisqu'il n'y a pas de luminosité intrinsèque probable. Alors maintenant, si on passe à la suite de la diapo, voilà. Alors, on va parler un petit peu maintenant de la luminosité intrinsèque, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la magnitude absolue. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la magnitude apparente, hein? Ben, c'est la luminosité vue depuis la Terre, en fait. Hein. Donc la définition moderne, c'est moins de 5, le log du rapport entre le flux lumineux reçu de la part de cette étoile dans une certaine bande spectrale et le flux lumineux reçu de la part de Vega, qui sert de référence, dans la même bande spectrale. On fait le rapport du flux lumineux reçu, on prend le log pour que ça fasse moins gros, hein. On multiplie par 2,5 pour se caler, je vais un peu vite, sur la classification ancienne des parcs, pour coller à peu près aux grandeurs données par IPARC, hein, première grandeur, deuxième grandeur, troisième grandeur, etc. Et le moins qui est là montre que, bien sûr, la magnitude est d'autant plus grande que l'étoile est peu lumineuse. Hein. Bon, en gros, ça donne ça, quoi, si on veut simplement être tout simple. Hein, si je prends ici Vega à magnitude 0, eh bien, ça veut dire qu'en gros, à chaque fois que vous gagnez une magnitude, eh bien, tout simplement, vous divisez l'éclat par an par 2,5. Voilà, ça donne à peu près ça. Il suffit de retenir cette petite règle. Voilà. Alors là, je suis magnitude 0, magnitude 1, je suis 2,5 moins lumineux. Là, je suis 2,5 fois 2,5, ça devient 6, c'est des briques. Là, au bout de 3 fois, au bout de 5 magnitudes, en gros, on a divisé par 100. La luminosité apparente de l'étoile. Ça, vous savez peut-être, mais c'est un petit rappel qui permet de se rendre compte de ça. Ça, c'est donc l'axe ordonné. On va parler de magnitude. Mais attention, pas de magnitude suivante, s'il te plaît. Pas de magnitude, oui, donc l'échelle logarithmique inverse, hein, bien sûr. Mais l'importance de la distance. Hein. Il est évident que plus on est loin d'une étoile, et plus elle nous semble faible. Donc plus sa magnitude apparente va augmenter. Si on veut comparer deux étoiles, il faut évidemment les ramener virtuellement à la même distance. Sinon, on ne pourra pas les comparer. C'est bien évident. Hein. Ah, la différence de magnitude, c'est une formule qu'on appelle la formule de Poisson. Hein. La différence de magnitude est donnée par 5 fois le log du rapport des distances. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout l'eau. Que si vous êtes 10 fois plus loin, je reprends mon exemple de tout à l'heure, si vous êtes 10 fois plus loin, eh bien, votre flux lumineux va être divisé par 100 et vous allez gagner 5 magnitudes. Voilà, en gros, on peut modéliser les choses et les rappeler rapidement. Donc, on va voir ce que c'est que la magnitude absolue. Voilà, la magnitude absolue, eh ben, c'est la magnitude virtuelle d'une étoile qu'on aurait ramenée à une distance de 10 parsecs. Alors le parsec, quand même, c'est 3,26 années-lumière, donc du coup, il faut ramener l'étoile virtuellement à 32,6 années-lumière, et là, on prend sa magnitude, et c'est ce qu'on appelle sa magnitude absolue. Enfin, simplement. Donc ça permet d'avoir une petite idée. Alors, dans un diagramme Hertzsprung-Russell normal, on met la magnitude absolue, bien entendu, c'est normal. Pour les amas globulaires, on peut se contenter de garder la magnitude relative, la magnitude apparente. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes à la même distance. Les amas globulaires, elles sont concentrées dans une sphère très petite, pratiquement à la même distance. Donc on ne va pas s'embêter à convertir en magnitude absolue. On garde la magnitude apparente, peu importe, sur le taux d'une mesure directe, et ça ne pose aucun problème particulier. Donc on peut continuer. Voilà. Alors, prendre un peu aussi de quoi va dépendre la luminosité. Hein, donc, en fait, la magnitude absolue d'une étoile. Elle va dépendre, en gros, de la luminosité du corps noir stellaire, puisque la lumière émise, elle est émise par la photosphère périphérique de l'étoile, et cette photosphère, essentiellement, c'est un corps noir qui émet de façon thermique. Bon, en gros, vous voyez, ça évolue comme la puissance 4, la température, le rayon, la puissance 4, et on divise par la masse.
on obtient en gros une luminosité qui varie comme le cube de la masse. Hein. Une étoile 10 fois plus massive va être intrinsèque 1000 fois plus grande. C'est tout doit mouiller, hein, tout ça, c'est pour avoir un ordre de grandeur, hein, une idée à peu près de ce que ça représente. Hein. Et donc, si on continue, allez, attends, là-dessus, ça va nous donner maintenant un deuxième point, c'est l'axe des abscisses, les températures. Hein. Alors, on peut prendre soit la température effective, hein, on l'a vu, ou l'inverse, quelque chose qui est un peu en fait, comme le log de la température de couleur, celle du corps noir qui émettrait de la même manière. Et alors là, on se retrouve avec ce qu'on appelle le type spectral de classification d'Harvard, on va parler du Soleil, hein, qui est ici. Hein. Alors attends, les étoiles très chaudes hein, apparaissent bleues, parce qu'il y a un maximum de bleu, j'insiste pas sur la courbe de Planck. Hein. Et puis ensuite, bien sûr, les plus froides sont rouges. Hein. Alors tout le monde se souvient de la jolie petite phrase, bien sûr. Oh, be a fine girl, kiss me. Right now. Et après, il y a Sweetheart qui continue, etc. Mais enfin, on va s'arrêter là, parce que ça va devenir... hein. Non, pas trop froid, mais pas trop chaud, alors on ne sait jamais. Voilà. Donc ça donne une petite idée de tout ça. Soit on prend la classe spectrale ou la température, en fait, effective. Hein. Ou alors on prend parfois d'autres grandeurs. Le suivant, si tu peux. Voilà. On parle souvent en indice de couleur. Hein. Alors l'indice de couleur, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça revient au même. L'indice de couleur, c'est la différence de magnitude de l'étoile dans un domaine spectral et dans un autre. Alors on a choisi plusieurs domaines spectraux, un domaine U pour l'UV, un domaine B pour le bleu, vous voyez ici, un domaine V pour le vert, vous avez ici les répartitions, hein. R pour le rouge et I pour l'infrarouge. Nous, dans le visible, on travaille entre B et V, essentiellement, sur les étoiles, et donc on les classe en indice B-V. C'est-à-dire magnitude dans le bleu moins magnitude dans le rouge. Mais ça revient au même que la température, vous allez voir, hein. Il suffit de cliquer sur la suivante et on va le voir. Voilà. Regardez, l'indice de couleur B ou V. Bon, si c'est positif, ça veut dire que B est plus grand que V. Il y a donc plus de magnitude dans le bleu que dans le vert. Donc c'est moins brillant dans le bleu que dans le vert. Donc l'étoile manque de bleu, donc elle n'est pas très chaude. Si B moins V est négatif, ça veut dire que B est plus petit que V. Si c'est plus petit que V, ça veut dire que la magnitude étant plus petite, c'est beaucoup plus brillant. Donc l'étoile est beaucoup plus bleue que verte, donc elle est chaude. Donc, l'indice de couleur B moins V donne une idée de la température de surface. C'est une autre façon de classer. Bon, je vais vous en parler parce que ça peut venir. Alors toujours la convention, c'est 0 pour Vega, bien sûr. Vega, ça sert toujours de référence, hein, à la fois pour l'échelle des magnitudes, 0 apparente, et puis pour l'échelle des indices de couleur. Il faut bien trouver une référence quelque part, une origine quelque part. Mais à partir de là, ça nous permet de classer les étoiles. Et donc si on y va maintenant, à la suivante, voilà ce que ça donne en fait. Hein, vous voyez ici, là vous avez la température effective, hein, vous voyez, donc je vais de 3000 à 30 000 degrés Kelvin à peu près. Hein, et ici il y a l'indice de couleur là, qui est à 0 évidemment. Alors là, 0, température 12000, bah oui c'est Vega qui est là, hein, je ne l'ai pas mis, mais c'est Vega. Le soleil évidemment, il est en B-V positif, pourquoi? Parce qu'il est moins bleu que vert. Il est plutôt vert d'ailleurs, hein. Essentiellement le maximum d'émission est dans le vert, hein, bien sûr. Les étoiles rouges, elles ont une température plus basse et un indice B-V beaucoup plus grand. Hein. Vous voyez là, on tombe dans les 1,5 et 1,9, alors que les très chaudes, ici, comme Bellatrix par exemple, on obtient une température énorme. Hein, et là, on obtient un indice de couleur qui est franchement négatif, hein, qui est à moins 0,3 à peu près. Donc ça donne une bonne idée, l'indice BV, de la température. De toute façon, de vous classer les températures comme on peut. Hein. Donc si on continue. Ouais, c'est là. Voilà. Alors voilà notre fameux diagramme situation couleur. Ouais. Il est beau, hein, c'est, moi j'aime bien le regarder de temps en temps. Parce que c'est un peu comme le tableau périodique pour les chimistes. C'est vraiment l'outil, pour celui qui étudie la physique stellaire, c'est vraiment l'outil de base, c'est vraiment l'outil qui sert à tout dire. On voit que pour les amas globulaires, il va nous apporter énormément d'informations. Je vais en parler un petit peu, hein, c'est un peu long, mais j'étais obligé de venir là-dessus pour bien comprendre, bien sûr. Alors, qu'elle va faire une étoile quand elle va évoluer? Eh bien, elle va passer comme ça, et puis après, elle va revenir de l'autre côté. On va le voir dans le détail. Voilà. Alors ce diagramme de Hertzsprung-Russell, bien sûr on le connaissait avec des étoiles connues, mais il y a quelques années, hein, à la fin du XXe siècle, c'était Hipparcos, hein, lancé par l'ESA, High Precision Parallax Collecting Satellite, hein, en fait. Hipparcos, les gens aiment beaucoup les acronymes, hein, comme ça, c'est toujours joli. Hein. Il était capable quand même de cataloguer, vous voyez, pas loin de 120 000 étoiles. Hein.
À chaque fois, en mesurant leur parallaxe, c'est-à-dire la différence angulaire, sur 6 mois d'intervalle, pour trouver une distance géométrique, ça va jusqu'à 500 années-lumière, quand même, c'est pas mal, dans l'environnement proche du Soleil. Il a repéré ces étoiles. Ayant la distance, ayant la magnitude apparente, on a la magnitude absolue. On fait le spectre, on a l'indice BV, hop, on a le point sur le diagramme HR. Et voilà le travail. Ça, c'est le vrai diagramme publié par l'ESA à la suite des mesures d'Hipparcos. Super, hein. C'est vraiment exactement ce qu'on pensait. Il y a la branche principale qui est là, parce qu'il y a des étoiles de toutes sortes, hein, des chaudes et des froides, et puis il y a la branche des géantes. Alors là, un petit peu de naines, mais elles sont peu visibles, hein, peu repérées, bien sûr. Et les supergéantes, elles ne sont pas, parce qu'il n'a pas travaillé là-dessus. Dans l'environnement proche du Soleil, on n'a pas trouvé beaucoup. Mais c'est quand même bien de voir que l'expérience directe confirme bien ce qui a été mis dans le diagramme. Et si on continue, on va comprendre un peu ce qui se passe au niveau des amas globulaires. En fait, ils sont formés d'étoiles qui sont peu massives, peu lumineuses. Ils sont anciens. Alors, comme ils sont anciens, bien, il n'y a plus de nuages de gaz et de poussière qui servent de matière primaire, de matière première à la fabrication de nouvelles étoiles. Dans la galaxie, se forment en permanence des nouvelles étoiles. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gaz et plein de poussière qui traînent. Mais dans les amas globulaires, on va voir qu'il n'y a plus de gaz. Donc il n'y a pas de matière à fabriquer de nouvelles étoiles. Donc du coup, il n'y a plus que des vieilles. Et elles ont évolué à leur vitesse. Qu'est-ce qui est arrivé aux plus massives ? Elles ont une durée de vie très brève. Elles ont disparu depuis longtemps. Elles sont passées certainement en supergéantes. Probablement certaines un peu plus massives, non pas beaucoup, hein. Peut-être en supernova, peut-être, mais beaucoup ont fini en naine blanche, tout simplement. Qu'est-ce qui reste en étoiles vraiment étoiles ? Ben celles qui ont des durées de vie très longues, autrement dit les très légères. Donc il ne reste plus que des petites étoiles de petite masse, pas petites en diamètre, hein, elles ont toutes à peu près le même dans ce cas-là, mais des étoiles de faible masse et de faible température. Voilà, tout simplement. Des vieilles étoiles qui ont réussi à survivre jusque-là. On pense qu'elles se sont formées en fait en même temps que la galaxie. C'est un des scénarios possibles, mais ce n'est pas le seul. Hein. Et ça explique d'ailleurs pourquoi ces amas se trouvent surtout dans le halo. C'est parce qu'en fait, ils se sont formés d'après un des scénarios dont je vous parlerai tout à l'heure. Ils se seraient formés dans le halo galactique avant qu'elles ne s'aplatissent et qu'elles ne prennent du moment cinétique. Au tout début de la formation de la galaxie. C'est pour ça que c'était ancien, en l'occurrence. Donc c'est le même âge à peu près de la galaxie. Bon, pour la Voie lactée, ça fait 14, 13 milliards d'années. Ouais. Voilà. Pour une petite idée de la durée de vie sur la séquence principale, encore un petit calcul pas trop compliqué. Hein. En fait, la réserve d'énergie nucléaire dans une étoile, elle dépend de la masse, hein, puisque de la masse qui se transforme en énergie. Donc, en gros, c'est l'ordre de grandeur de la masse. La puissance émise, on l'a vu, elle dépend. Oh, c'est bon. Donc, la durée de vie, en gros, c'est l'énergie disponible divisée par la puissance. Bah, ça fait, les deux divisés, ça fait 1 sur m carré. Alors, expérimentalement, c'est plutôt 1 sur m à la puissance 2,3. Bon, vous voyez, c'est au doigt mouillé, ça fait 1 sur m 2. Pour en dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Une étoile deux fois plus lourde. Allez, je mets au carré, ça fait 4, elle vivra 4 fois moins longtemps. Donc il peut y avoir que les étoiles légères qui vivent très longtemps sur la séquence principale. Les naines rouges, en l'occurrence. Donc si on peut continuer. Voilà. Alors vous voyez, voilà ce qui se passe en fait. Hein, là, on voit mieux le système sur le principe. Hein. Ici, donc vous avez la combustion d'hydrogène dans le cœur, combustion n'est pas le terme correct, hein, c'est pas chimique, hein, c'est une fusion, enfin on parle de brûlage nucléaire. Et là, ici, on a notre étoile qui évolue de cette façon, et là, d'un seul coup, elle va tourner, et elle va évoluer ici pour aller vers la branche asymptotique des géantes rouges. Un coude hein, qu'on appelle le turn-off en anglais, et qui est caractéristique de la fin de vie de l'étoile dans son état normal, c'est-à-dire dans son état de séquence principale. Donc ça, c'est un point intéressant parce que c'est à ce moment-là que l'étoile a fini d'évoluer, je dirais, normalement. C'est là qu'elle commence à dégénérer en géante rouge. C'est à ce moment-là que ça se produit. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle va arriver à cette... Vous le savez, elle va se recontacter à nouveau. Et ici, on va avoir une branche horizontale de rouge un peu différente. Et là, tout à coup, y a un truc bizarre, là.
il va se produire un phénomène curieux qui est, on l'a déjà parlé dans le cas du Soleil, qui est la combustion. La fusion quasi instantanée de l'hélium dans le cœur, parce que le gaz devient dégénéré, c'est ce qu'on appelle le flash de l'hélium. Et à ce moment-là, bien sûr, c'est des étoiles de masse relativement faible, il y aura un flash de l'hélium très important. Et pour certaines d'entre elles, on va le voir après, eh bien, ces étoiles arrivent à une zone dans un état physique, on va dire, instable. C'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à se contracter sous l'effet de la gravitation, et puis il va y avoir une augmentation d'opacité des couches convectives périphériques qui va les pousser vers l'extérieur, et donc elle va enfler cette étoile, et puis tout à coup ça va redevenir transparent parce qu'elle va refroidir, et pouf, ça va repartir dans l'autre sens. On appelle ça en physique des oscillations de relaxation. Donc elles vont gonfler, revenir. Il y a deux types d'étoiles pulsantes comme ça, ce qu'on appelle les céphéides, hein, comme Delta Céphée, et puis les RR Lyrae, du nom de la première qui a été découverte, RR Lyrae, bien sûr. Et dans les amas globulaires, il y a énormément de RR Lyrae. C'est vraiment caractéristique des amas globulaires. Alors, on parlera après des traînards bleus, parce que ça, c'est un truc bizarre aussi. Hein. Alors, on peut continuer. Voilà. Vous voyez en fait ce qui se passe. Je prends un petit exemple là. Je prends un amas de 1,5 milliard d'années à peu près. C'est pas beaucoup par rapport à l'âge de l'univers. C'est le dixième à peu près. Vous voyez ici, qu'est-ce qui va arriver? Toutes les étoiles en gros supérieures à 2 de masse solaire, je fais le calcul, on va le détailler ici, et ben, elles ont disparu. Autrement dit, le diagramme HR, d'habitude, il fait ça, la zone principale. Elle est ici, la séquence principale. Mais là, il n'y en a plus parce qu'elles sont mortes. Donc il ne reste plus que... J'ai dit les rouges, c'est-à-dire celles qui sont à droite. Il manque un bout au diagramme Hertzsprung Fresnel. Et c'est la position de ce coude, ce turn-off, qui est directement liée à l'âge. C'est facile à comprendre. Et donc, en étudiant le coude sur l'âge d'un... en faisant le diagramme HR des étoiles d'un amas, on va pouvoir trouver son âge. C'est grâce au diagramme HR qu'on trouve l'âge d'un amas. Les étoiles qui constituent plus ou moins... qu'elles sont toutes ensemble. Et ça, c'est vraiment tout à fait remarquable, n'est-ce pas, monsieur? Voilà, on peut y aller. Voilà, regardez, ça, les petits exemples, là, ça, c'est sur Pearson Prentice Hall, en 2005. Vous voyez, là, on est à 1 million d'années. Vous voyez, ben, le coude, il est quand même très loin, là, parce que c'est pas beaucoup, 1 million d'années. Là, on en est à 10 millions d'années. Là, on est à 100 millions d'années. Le coude, il a lieu, mais beaucoup plus à droite. Ici, on est à 1 milliard d'années. Vous voyez ce que ça donne ici? On obtient ici un coude encore plus bas. Et pour 10 milliards d'années, 10 puissance 10 ans, 10 milliards d'années, vous voyez ici, le coude, il est beaucoup plus du côté des rouges. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La position du coude va nous permettre de trouver l'âge de l'âme. Ça, c'est curieux quand même. C'est assez intéressant. Donc, on peut continuer. Et bien voilà le diagramme HR réel de M55 dans le Sagittaire. On se fait un amas qui est à 17-18 000 années-lumière à peu près. Donc ça, c'est une photo de lui. Et puis ici, vous avez son diagramme HR. Regardez, c'est superbe. Ici, on a le coude. En repérant sa position ici, en fait, il suffit de prendre la tangente verticale puis de trouver le point de tangence. On va trouver ici un indice BV et une luminosité qui vont nous permettre de trouver son âge. On pense qu'il a à peu près 10 milliards d'années, ce coude. On pourrait le faire avec d'autres, un petit exemple simplement sur le tube. Ça, c'est un diagramme HR expérimental qui a été trouvé évidemment par les dites. Et si on continue? Voilà. Autrement dit, les étoiles qui sont les anomales globulaires, c'est les plus vieilles qu'on connaisse. C'est vraiment les naines rouges les plus vieilles. Elles peuvent avoir des âges de l'ordre de 10 milliards d'années, c'est-à-dire à peu près la durée de la formation de la galaxie. Alors, des passeports, pas une masse solaire. La plupart du temps, c'est 0,4 masse solaire à peu près. Mais ce ne sont pas des étoiles très massives. Elles ont une très grande durée de vie. Faites un petit calcul, 1 sur M puissance 2,3. Vous allez trouver une durée de vie théorique de plus de 20 milliards d'années, c'est-à-dire plus que l'âge de l'univers. Autrement dit, elles étaient contemporaines du début de l'univers. Pratiquement, elles sont formées dès que les premières sont formées. Et puis, elles ne sont toujours pas mortes. C'est toujours les mêmes. On a des vestiges. Je vous avais dit que c'était un EHPAD.
d'étoiles, mais vraiment, hein, c'est ce qu'il y a de plus vieux, réellement. Hein, c'est vraiment de très très vieilles étoiles. Qui sont de... Et c'est très intéressant parce que là, on voit des étoiles très anciennes. Et on peut donc évidemment les détailler. Ce sont des étoiles en dite population 2, hein, c'est-à-dire des... Alors, il y a évidemment quelques géantes rouges hein, qui sont dedans, qui correspondent à des étoiles ayant déjà commencé leur dégénérescence et leur fin, hein, mais elles n'ont pas duré longtemps, bien sûr. Alors que, évidemment, les autres, elles durent un bon moment. Mais dès qu'elles sont arrivées à l'âge fatidique, pouf, elles tournent et elles se retrouvent de l'autre côté du diagramme à charge. On va continuer. Voilà, hein. Donc on l'avait dit, hein, les grosses étoiles sont absentes pratiquement. Moi, c'est le double, c'est pourquoi je l'ai mis en double. Enfin, on peut y aller, on continue. Si tu veux, parce que là, j'ai mis en double, j'ai dû la dupliquer sans le faire exprès, je suis désolé. Voilà. Alors, pourquoi la population est aussi âgée? Pourquoi il n'y a pas de renouvellement de population dans les amas globules? Ben oui, il n'y a plus de gaz, c'est ça. Il n'y a plus de gaz parce que le gaz a été perdu par an, les amas globules. On ne repère pas du tout d'opacité à cause d'un... nuage de gaz éventuel ou de poussière. Hein. C'est vraiment très transparent. Pourquoi? Tout simplement parce que ça traverse périodiquement le disque galactique. Et à ce moment-là, évidemment, il y a un effet de marée considérable et le gaz est en quelque sorte soufflé. Hein. Et puis, spontanément, ils ont tendance à s'évaporer. On va voir pourquoi après aussi. Hein. Surtout au niveau des... en étoile individuelle. Mais les gaz sont essentiellement soufflés par le passage au travers du disque galactique. Alors, vous voyez, ça fait un tour, on l'a dit, à peu près en 100 000 ans. Depuis quelques milliards d'années, ça en a fait des tours. Donc, les photosphères externes des étoiles, c'est-à-dire les nébuleuses planétaires qui restent. Mais en général, ça se fait happer par les galaxies au premier passage. Au tout début, est-ce qu'on pouvait les considérer comme des amas de gaz avant cette galaxie ? Des mini-galaxies. Oui, alors peut-être. Il y a trois scénarios, on va en parler après. Hein. Hein? Voilà, donc ça donne une petite. De façon schématique, voilà ce que ça donne. Mais il y a une petite exception quand même, on va le voir maintenant. Si on peut continuer. Ça, c'est une vue d'artiste, hein, les eaux en 99. Si on voyait ça comme ça, ce serait quand même beau. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a essentiellement? Donc des astres de population 2, je l'ai dit, hein, des étoiles rouges. DRR Lyrae, on va en parler un petit peu, hein, ce sont des variables pulsantes. Hein. Alors vraiment, elles sont typiques des amas globulaires. Hein. Des naines blanches, bien sûr, et probablement pour les vestiges les plus lourdes des étoiles à neutrons, quelques pulsars. Hein. Alors c'est très différent des amas ouverts. Bon, les amas ouverts, vous connaissez bien, les Pléiades et autres, alors là, c'est plein de gaz, là ça se voit partout. Et puis c'est d'ailleurs des nébuleuses par émission, tellement il y a de l'étoile jaune dedans, c'est du bleu. Hein. Tandis que là, c'est complètement différent. Mais, bon, là je sors un peu du sujet, mais on peut aussi faire le diagramme HR des amas ouverts, et là aussi on peut en tirer des informations qui peuvent être, elles aussi, très intéressantes. On continue, voilà. Hop. Alors, il faut cliquer plusieurs fois parce que ça revient... par apparition, voilà. Alors, les RR Lyrae, en fait, c'est des étoiles variables. Alors, vous avez plusieurs types d'étoiles variables. Vous avez celles-là, et puis les céphéides, hein, qui sont des pulsantes. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des étoiles qui gonflent, qui dégonflent, qui gonflent, qui dégonflent, sur l'effet de phénomènes antagonistes, avec un temps de latence qui fait que la relaxation s'installe. Vous avez aussi les cataclysmiques, hein, comme celle-là. Et puis, vous avez les variables à très longue période, hein, comme Miracetti, par exemple. Mais là, bon, essentiellement, ici, on s'intéresse à celle-là. Et c'est, dans les amas globulaires, c'est surtout du RR Lyrae qui a, effectivement. Alors, leur masse n'est pas bien grande. Hein. On peut cliquer dedans, il va apparaître la photo de quelqu'un. Voilà. Hein. En fait, c'était découvert dans M3 par Williamina Fleming, hein, en 1899. Une assistante de Pickering. Hein. Donc c'est des masses, vous voyez, toujours inférieures à la masse solaire, dans les 0,7 masse solaire à peu près. Ce n'est pas des grosses étoiles. Donc si on continue, on peut continuer, si tu veux. Voilà. Hein. Ouais, bon, le courbe de lumière, c'est un petit peu différent. Hein. RR Lyrae donne ça, une montée très rapide, une descente plus lente. Et ça, c'est une courbe de lumière d'une céphéide que j'ai trouvé quelque part, je trouve. Enfin, bon. Bon, l'ordre de grandeur est différent, vous voyez là. Les périodes sont l'ordre de quelques heures, alors que les céphéides, c'est l'ordre de quelques jours. C'est une période plus longue. Les céphéides sont des géantes, hein. Des grosses étoiles. Hein. Alors que les RR Lyrae sont des petites. Bon, on va pas entrer dans le détail maintenant. Hein. Voilà, donc si on clique, normalement ça va. Alors bon, c'est perdu ça. Alors vous voyez, les céphéides, en fait, elles ont une luminosité intrinsèque qui dépend de la qui est directement liée à la période d'oscillation. Hein. Il y a deux familles, hein, les 1 et 2, bon, peu importe. 2, c'est W, Virginis. Les RR Lyrae, elles ont ceci de caractéristique, vous voyez qu'elles ont une période beaucoup plus courte, d'abord, on l'a dit,
et puis qu'elles ont toutes à peu près la même luminosité intrinsèque. Alors ça, c'est intéressant parce que ça peut servir de chandelle standard. Et donc ça permet de trouver des distances par la méthode habituelle des photométries. Hein. Donc si on continue, voilà. Hein. L'étoile va devenir une RR Lyrae, en fait, quand elle va faire ça, on va pouvoir aller un peu plus vite, ou alors passer dans les sous-géantes, la géante, elle va arriver ici. Là, il y a le gap des RR Lyrae, puis après elle repart en part horizontale, et on va finir ici, en N planche. On va aller un peu plus vite, hein. Je vais aller un peu plus vite, voilà. Si on clique dedans, il va apparaître un truc, mais peu importe. Voilà, hein. On se flagelle l'hélium, évidemment, hein, qui donne ce phénomène, puis après il y a les contractions périodiques qui apparaissent. Je ne vais pas trop entrer dans le détail. Mais ce sont des variables intéressantes. Hein. On continue ? Ouais. Voilà. Alors ça, c'est faire de la stabilité. Non, je ne sais pas, on peut changer directement. On va y aller. Ça va aller mieux. Voilà. Tac. Ouais, ça devrait venir. Allez. Il ne veut pas mieux. Oui, si tu veux. Voilà, c'est bien. Là, c'est une photo prise de l'OMA NGC 121 dans le Toucan, hein, en petit nuage de Magellan. Ouais, c'est pas à côté quand même de la Voie lactée, hein, on a 20 000 années-lumière à peu près, et tous ces points-là répertoriés, vous voyez, W1, V32, etc., ce sont des RR et l'IRAE dans cet amas globulaire. Donc il y en a pas mal quand même, hein. Une jolie photo. Bon, on peut continuer, voilà. Hein. Alors ça, ici, c'est le diagramme, toujours le diagramme HR, bien sûr, dans M5, hein. Et là, on voit très bien ici les... Alors ça apparaît comme des lignes, pourquoi ? Ben, parce que ça n'arrête pas de changer de luminosité, hein. Donc ça bouge, hein. Et on les a ici, bien sûr. Là, on a la branche des géants, bien sûr, dans M5. Et là, on a toujours l'indice BV. Hein, donc, là, c'est un indice BR. Vous voyez, c'est un peu différent. Donc, c'est magnitude dans le bleu, moins magnitude dans le rouge. Bon, on a décalé un petit peu, c'est tout. Hein. On obtient ici leur place à l'intérieur de cet amas. Si on continue. Voilà. Alors, là, c'est M13, vous voyez, notre fameux M13. Ben, c'est pareil. Là, vous avez une branche de géant. Là, vous avez la branche horizontale. Et là, vous avez les RR Lyrae. Mais si on va regarder d'un peu plus près. On prend le suivant. Il y a un truc bizarre. Il y a des étoiles bleues dans les amas globulaires. Ben zut, on ne se serait pas attendu à ça. On n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure que c'était des vieilles étoiles rouges de petite masse. Et voilà du bleu, hyper chaud. Donc de faible durée de vie. Donc apparu à largement après la formation de l'amas. Or, il n'y a plus de matière, on a dit. Il n'y a pas assez de matière pour faire de nouvelles étoiles. On appelle ça les traînards bleus, les blue stragglers. D'où ça vient ce truc ? Comment ? Des enfants dans les pads ? Ben zut ! Comment ça se fait ? Ils sont apparus comment ? Il s'est passé des drôles de trucs entre les étoiles vieilles. Voilà. Oui, ça paraît bien aussi, effectivement. N'empêche, il faut que les enfants apparaissent. Le problème est là, ils n'apparaissent pas. Alors comment ça se fait ? Bon, il y a plusieurs hypothèses, bien sûr, qui tendent à essayer d'expliquer la formation de ces traînards bleus. Ah, c'est ce qu'on va voir maintenant, si tu veux cliquer. Plutôt le diagramme. Hein. Alors, pardon ? Non, c'est bon, là, on peut y aller. Hein. Traînards bleus, ils ont été trouvés en particulier par Alan Sandage, hein, dans M3, dans les années 70, et dans l'amas Terzan 5, hein, qui est dans le bulbe galactique vers le Sagittaire. Bon, 19 000 années après, on a repéré ici des étoiles bleues, vous voyez. Ce n'est pas des étoiles plus près, hein, c'est des étoiles de l'amas, hein, qui sont ici. Et là, en rayons X, elles sont très lumineuses, ces étoiles. Vous voyez ici, c'est un cliché en X, ça c'est en optique. Et elles sont très chaudes. Hein. Donc là, c'est quand même bizarre qu'il soit apparu comme ça, des étoiles plus massives, et donc qui ont pu tout de suite réchauffer et repartir en fusion avec beaucoup d'énergie. Pourquoi ? Il faut peut-être penser au fait que dans le centre des amas, les étoiles sont très proches les unes des autres. Et elles sont tellement proches, on va dire, 2 mois-lumière, c'est rien. Il arrive qu'elles se croisent d'assez près, et puis que, par effet de marée, on a une qui avale la matière venant de l'autre. Un peu le phénomène qui se produit dans les novas, en fait. Et donc, la matière arrivant dessus, la masse de l'autre étoile grandit, elle atteint un seuil critique pour recommencer à brûler de l'hydrogène et à chauffer à nouveau. Et comme elle a une masse plus grande, eh ben elle va évidemment évoluer et elle va donner de la lumière bleue. Eh ben elle va chauffer, bien entendu. Alors elle ne durera pas longtemps, bien sûr, hein, parce que cette durée de vie sera courte, on l'a vu. Mais nous, à l'instant T, quand on la voit, elle est là. En ce moment, on la voit. Effectivement, elle existe. Donc si tu veux y aller là-dessus, voilà. Voilà en fait ce qu'on pense. Ça, c'est un schéma qu'on emploie souvent pour expliquer la formation des novas en particulier. Hein.
On pense que les vieilles étoiles, bon, surtout des systèmes binaires, énormément de systèmes binaires au centre des amas globulaires. Forcément, la distance entre étoiles est tellement faible que beaucoup d'entre elles oscillent autour de leur centre de gravité commun. Systèmes binaires ou ternaires, ou quaternaires. Il peut y avoir des systèmes à 3, 4, 5 étoiles. Hein. Ça, c'est les modèles mécaniques qu'ils trouvent. Donc, il y a un transfert de masse, évidemment, vers la compagnon. Fusion d'une étoile plus chaude, et du coup, bon, ça repart. Ça peut même être, dans le cas d'une étoile initiale un peu lourde, une étoile à neutrons massifs qui est en train d'absorber petit à petit un compagnon ancien. C'est pareil. On pense que c'est le cas pour CX1 dans Terzan 5. Donc, on pense avoir trouvé la raison d'être de formation de ces traînards bleus. En fait, ce serait des fusions, du cannibalisme d'étoiles, on peut dire. Une étoile cannibale qui va manger la voisine et qui va grossir et à nouveau se remettre à émettre de la lumière. Voilà. Si on continue. Elles sont surtout au centre des amas, hein, les BS, hein, les Blue Stragglers. Donc c'est là où la densité d'étoiles est la plus grande. Ça va dans le sens de l'hypothèse qui est là, effectivement. Hein. Alors sa stabilité, elle tient à quoi? Parce que normalement, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'effet centrifuge, il y a la gravitation. Qu'est-ce qui devrait se passer normalement? Ça devrait s'écraser et puis au bout d'un moment, on fait une masse unique. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, ces étoiles, elles interagissent de façon gravitationnelle les unes avec les autres. Et quand vous prenez un système à 3 comme ça qui évolue, il y a souvent la plus légère qui va prendre de l'énergie cinétique aux autres. Ça rappelle un peu des chocs entre particules, entre molécules de gaz. Ce n'est pas des chocs, hein, mais ça revient au même mécaniquement. Et donc, on a le même comportement de la population d'étoiles de cet amas que celui d'une boule de gaz, comme si les molécules se tapaient les unes les autres. Et il y a une espèce de pression virtuelle qui est déterminée par ces mouvements d'interaction, ces interactions entre étoiles en système 3, 4, 5, etc. Et donc, ça va donner effectivement une tendance à s'éloigner du centre. Et on obtient un équilibre comme celui d'une boule de gaz. En équilibre d'isogravité. Alors ça donne un modèle de Schuster, à voyez, ρ c'est la densité, ρ0 c'est au centre, A plus R2, bon, enfin, c'est une petite formule, mais ça donne évidemment une densité très forte au centre, puis qui décroît au fur et à mesure qu'on s'approche des bords, ce dont on serait douté évidemment. Hein. Alors vous voyez, la moitié de la masse de M3, c'est dans une sphère seulement de 22 années-lumière de diamètre. Il y a 250 000 étoiles, on pense, là-dedans. Ouais, je vous dis, ça fait à peu près deux mois et demi, lumière de distance moyenne entre deux voisines au niveau du centre. C'est énorme. On comprend pourquoi il y a une interaction aussi importante. Hein. C'est à comparer avec l'environnement solaire, hein. C'est dans les 4 années-lumière à peu près, hein. C'est la distance Soleil Alpha Centauri. Si tu veux qu'on continue. Voilà. Alors la formation, en gros, j'ai dit, hein, il y a 3 types de scénarios possibles. Hein. Je vais aller un peu plus vite. Les primaires, ça voudrait dire que les amas sont formés avant la galaxie haute, et puis qu'elles ont été capturées plus ou moins par gravitation. Le secondaire, elles se seraient formées en même temps, même origine, et puis les tertiaires après. Bon, oui, c'est une façon de voir. De toute façon, on trouvera forcément 3 solutions possibles, avant, pendant ou après. Donc maintenant, on va essayer de voir un petit peu les modèles qui peuvent le faire rapidement, je vous rassure. On ne va pas aller trop longtemps là-dedans. Voilà. Alors, le scénario primaire, ça serait formé au début de l'univers, parce que, bien sûr, à ce moment-là, l'univers était très serré, donc il y a une forte densité, il y avait beaucoup de matière serrée, donc possibilité de former plein d'étoiles, bien sûr. Hein. Donc, des amas de plusieurs millions de masses solaires, c'est assez facile à faire à ce niveau-là, mais le problème, c'est que dans ce cas, les amas globulaires devraient tous avoir à peu près la même propriété, ou des propriétés un peu différentes. Hein. Et ça dépend, en fait, des propriétés de la galaxie haute, la galaxie autour de laquelle ils sont en train d'orbiter. Donc, et puis, les galaxies, vous le savez, elles ont un halo autour, un halo de gaz. Si c'était le cas, eh bien, ces amas globulaires seraient en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, des espèces de mini-galaxies qui seraient en formation. Et il y aurait un halo. Or, il n'y a pas de halo. Donc, ça va. Et puis, en plus, les amas du disque, alors, comment ça se fait qu'il y en a? Dans ce cas-là, il ne devrait pas y en avoir. Cette hypothèse n'est pas tout à fait la bonne. Mais il n'y en a pas une seule qui soit bonne, d'après la littérature que j'ai consultée. La suite, si tu veux. Voilà. Toc, hein. Alors, le scénario secondaire, en gros, c'est un effondrement monolithique d'un nuage de gaz qui va former à la fois la galaxie et puis des petits grumeaux à côté qui donneraient les amas. Hein. Pour ça, la théorie de Hegel, Lindenberg, Sandage. Il pourrait y avoir aussi une formation de galaxies par agrégation de morceaux plus petits.
C'est-à-dire que la galaxie serait le résultat de la fusion de tout plein de d'amas globulaires naissants et dont certains seraient restés là et abandonnés lors de la formation. Une autre façon de voir les choses. Ça, on peut trouver les solutions qu'en étudiant dans le détail, bien sûr, les populations qui sont dedans. C'est pas simple. Ça, c'est le travail des chercheurs. On peut y aller, oui. La suite, oui. Et les scénarios tertiaires, évidemment, c'est pour essayer de résoudre en fait le problème des amas du disque. Comment se fait-il qu'il y ait des amas dans le disque, hein? Alors, ce serait analogue au scénario secondaire, hein, mais à une époque où la galaxie était encore épaisse ou même en forme de sphère sphéroïde, hein, sphéroïdale. Donc, on aurait une formation d'étoiles directement à partir d'un nuage de gaz comprimé à chaque fois que ça traverse le disque qui était encore épais. Ou alors, autre hypothèse aussi, on ne va pas s'entrer dans les détails, peut-être collision entre une petite galaxie satellite et la galaxie principale. On pense que Oméga Centauri, c'est peut-être ça, parce qu'il est quand même assez gros. Hein. Donc, peut-être que. Bah, on pense peut-être que l'origine des amas globulaires est multiple. Il y a probablement tous les scénarios possibles. Donc, c'est encore un sujet d'étude actuellement. Donc, si on continue. Voilà. Hein. Alors, leur évolution, bah, on peut durer très longtemps. Hein. La moitié aura disparu dans 15 milliards d'années, à peu près. On se laisse du temps, quand même, hein, pour observer. Mais malgré tout, par le passé, on avait 10 fois plus, quand même, paraît-il, d'après les chercheurs. Oui, il s'évapore un peu à la fois. Alors, pourquoi ? Spontanément, il s'évapore. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a des transferts d'énergie génétique d'étoiles à d'autres étoiles. Quand c'est la plus petite qui, à force d'être chahutée par les voisines, prend plus d'énergie cinétique, plus de vitesse, et donc a tendance à se sauver. Et puis si elle atteint la vitesse de libération correspondant au champ de gravité de la mob, elle s'en va, elle revient plus. Autrement dit, les amas, ils s'évaporent. Comme une boule de gaz s'évapore, les molécules les plus rapides, donc ce qui est plus chaud, s'évaporent en premier. Donc un petit peu à la fois, ils perdent de leur matière. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'ils traversent le disque galactique, et à chaque fois qu'ils traversent le disque galactique, évidemment, là, il y a des effets de marée considérables, il y a plein d'étoiles qui sont abandonnées. Et puis même comme ça, quand elles se promènent, il y a un sillage d'ailleurs d'étoiles abandonnées à l'arrière de la trajectoire des amas globulaires. Donc voilà, on peut y aller comme ça. Voilà, c'est ce qui se passe en fait, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. C'est les phénomènes. Alors il y a des centaines de révolutions, hein, bien sûr, hein, depuis le début. Non seulement ça a perdu du gaz, évidemment, mais ça a perdu aussi beaucoup d'étoiles ça, en chemin. Hein. Bon, on va aller un peu plus vite. Voilà. Voilà. Alors, il s'évapore, hein, c'est ce que j'ai dit. Hein. On a repéré ce qu'on appelle les courants fantômes, hein, c'est-à-dire dans les galaxies naines aussi, hein, ça. Elles sont en cours de démantèlement aussi. Hein. Ou alors si elles sont en voie d'absorption par la voie lactée, hein, comme la naine du Sagittaire. Hein. On s'aperçoit en particulier dans l'amas NGC, là, 6712, hein, qui a été repéré par. Pour le VLT de l'ESO en 99, un déficit d'étoiles de faible masse, ça manque. Alors on a dit qu'il y avait beaucoup d'étoiles de faible masse, et puis tout à coup, dans cet amas-là, il manque des étoiles de faible masse. Elles sont où ? Ben, elles se sont sauvées, tiens, par évaporation spontanée, ce qu'on a vu tout à l'heure, simplement. Il est en train de perdre sa matière un petit peu à la fois, par évaporation. Beaucoup d'étoiles se sauvent hein, de ça. Oui, si on continue. Voilà. Alors, un des intérêts à... important des amas globulaires, je vais aller assez vite, c'est que j'ai dit tout à l'heure, si on étudie la trajectoire elliptique des amas globulaires connus autour de la Voie lactée, on s'aperçoit que toutes ces ellipses ont un foyer commun. Et ce foyer, c'est quoi ? Ben, c'est le centre de gravité de la galaxie. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la position du centre galactique. C'est pas facile à trouver, a priori. On n'est pas dedans, hein, donc on n'a pas de vue externe. Donc il faut le trouver par effet mécanique, bien sûr. Ça, c'est une information qu'on peut tirer assez facilement. Ensuite, oui, on peut y aller. Voilà. Alors, autre chose, vous voyez ici, on a une petite répartition statistique de la magnitude absolue des différents amas connus. Oui, bon, ça se distribue évidemment en isoprobable, hein, c'est de la gaussienne hein, ici. Hein. Mais vous voyez que globalement, ici, on a un pic de magnitude vers les moins 7, moins 8, quoi, à peu près. On a une luminosité intrinsèque qui est de l'ordre de moins 7,5. Oui, c'est négatif, hein, parce que vu à 10 parsecs, ce serait brillant. Hein. Pas oublier, c'est quand même très très brillant. Hein. Si on ne le voit pas très brillant, nous, c'est parce qu'ils sont quand même assez loin. Ils sont à 10 000, 20 000, 30 000 années-lumière. Et donc, là, on a une chandelle standard géniale. C'est dû essentiellement au RR IRAE. On a la luminosité intrinsèque, on a la luminosité apparente, on fait le petit calcul. Relative à la distance, hein, delta M égale 5 log 2 des 2 sur D1, paf, on trouve directement la distance. Donc ça sert de chandelle standard, comme les céphéides le font à l'intérieur d'une galaxie. Ça c'est intéressant aussi, ça sert de chandelle. Ensuite,
On peut y aller. Alors, juste un petit, pour conclure, une petite curiosité, je me suis amusé à faire ce petit calcul pour voir ce que ça allait donner. Qu'est-ce qu'on verrait si on était sur une planète orbitant autour d'une étoile du centre d'un amas globulaire ? Question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'on verrait ? Ça pullule d'étoiles. Alors, je vais faire un petit calcul. J'ai pris M3 comme exemple. Alors, la masse moyenne de ces étoiles, c'est du 0,4 masse solaire, mais beaucoup sont des géantes rouges. Donc, on a une magnitude absolue correspondante dans les moins 2, à peu près. Ces grandes étoiles. Les petites, elles ne sont pas assez lumineuses. La moitié de la masse est dans une sphère, on l'a dit, de 22 années-lumière de diamètre. C'est d'après, ici, l'Observatoire de Paris. J'ai trouvé cette information. Bon, en gros, donc ça fait à peu près 250 000 étoiles. Alors j'ai 250 000 étoiles dans 22 années-lumière, ça fait en gros une densité d'une étoile, on l'a dit, tous les 2-3 mois-lumière. Bon, d'accord. Combien d'étoiles je verrai autour de moi, sachant que notre étude visuelle limite, allez, on la fixe à 6 arbitrairement, c'est à peu près ça. J'ai du moins 2, jusqu'à quelle distance? Je vais voir 6. Il suffit de faire le petit calcul. C'est tout bête. Moi, je le fais là, vous voyez, en dessous. Vous voyez, la différence de magnitude, c'est 5 fois log de D moins 5. Voilà. Alors, je prends M6 et grand M moins 2, puisque ça fait ça. Et puis, j'obtiens 400 par sec. 1300 années-lumière. Mon amas, il est bien plus petit que ça. Autrement dit, je verrai tout l'amas entier. Je verrai, enfin, la moitié, parce que, étant sur le sol d'une planète, je verrai que l'horizon au-dessus de moi. Je verrai 250 000 étoiles. À l'œil nu, on en voit, d'où la nuit, on verra 3000 quand ça va bien. Là, on est à 250 000. Et c'est toutes des rouges. Alors, qu'est-ce qu'on verrait ? On probablement un ciel nocturne, très brillant et rougeâtre. C'est pas très beau. On aura vraiment une impression tout à fait. Est-ce qu'il y a vraiment un frais de nuit ? D'ailleurs, on peut même se poser la question. Tellement la densité d'étoiles est importante. C'est amusant de faire ce petit calcul pour conclure, pour imaginer un peu ce qu'on verrait au centre d'un amas globulaire. Maintenant, est-il raisonnable de penser qu'il y aurait une planète abritant la vie, orbitant autour d'une étoile d'un amas globulaire au centre ? D'abord, ces petites étoiles. Il y a des planètes autour des naines rouges, mais là, elles sont tellement proches que la planète, elle irait faire un tour, elle se ferait voler par les différentes étoiles, ça tournerait dans tous les sens. Les effets de marée seraient considérables. Bon, ces petites étoiles-là, en plus, elles sont turbulentes. Elles sont brassées en permanence par une convection énorme, elles sont très convectives. Elles émettent un vent stellaire colossal. Donc, étant donné la proximité de ces étoiles, à mon avis, une vie qui se déposerait, qui se développerait là-dessus, ce serait fort peu probable. C'est à moins que, sait-on jamais. Enfin bon, ça nous donne une petite idée, on va pouvoir conclure. Je crois qu'on a presque fini, vous voyez, c'est ce que je vous disais ici. On obtiendrait tout là-bas, c'est-à-dire 500 000 étoiles. Bon, j'exclus les naines blanches, les étoiles à neutrons, évidemment, etc., etc. Bon, c'est quand même assez curieux à considérer. Un petit calcul comme ça, ça permet d'avoir une idée. Je vais pouvoir conclure, je pense qu'on est au bout. Voilà, c'est bien. Alors, je mets un peu de... Alors, je me suis inspiré, bien sûr, beaucoup. Mes sources sont surtout l'Observatoire de Paris et un travail fait par Yael Nazé, justement, sur le sujet qui a été publié sur l'Université de Liège et qui est très, très intéressant, très pointu, très détaillé, très... Donc, je suis inspiré pour cette petite présentation, mais qui vraiment est très, très... s'adressant à des professionnels très, très pointus, bien sûr. Mais enfin, déjà, comme ça, c'est déjà intéressant. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Et je réponds à vos questions, si vous voulez. Serge ? Oui ? Oui, oui. Il faudrait beaucoup. Tu sais, un trou noir, il faut dépasser les 20 masses solaires. Il ne serait pas impossible, mais l'événement ne doit pas être très fréquent, effectivement, parce qu'il en faut beaucoup. Mais oui, il faut que le traînard bleu en question, il commence à continuer à cannibaliser une voisine et à augmenter en masse en permanence. Mais bon, on peut imaginer le scénario, c'est pas inimaginable. Il y a assez de matière stellaire pour le faire, effectivement. Oui, peut-être que certains ont détecté, effectivement, des formations. Dans ce cas-là, on détecterait le disque d'accrétion, évidemment, autour du truc. Sinon, il y aurait des spectres un peu différents.
Une autre question ? Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, on a du mal à séparer les grands amas globulaires des galaxies naines, en fait, hein, et des structures assez voisines. Ouais, c'est ça. La métallicité n'est pas la même. Voilà, c'est ça. Ça, c'est fondamental de voir l'abondance relative des différents éléments chimiques dans le spectre d'une étoile. Il y a toujours l'hydrogène, il y a toujours l'hélium, évidemment, ça va partout. Hein. Et puis après, il y a toutes sortes de matières. Alors dans ces petites naines, évidemment, cette matière n'a pas été formée par les naines, parce qu'elles ne sont pas capables de synthétiser des éléments lourds. C'est de la matière primordiale venant d'étoiles plus anciennes. Parce qu'au début de l'amas, il y avait des étoiles lourdes aussi, hein, bien sûr, avec des bleus, dont certaines ont donné des géants, des supergéants, probablement des supernovas au tout début. Mais elles ont disparu, elles n'ont pas été renouvelées. Quand l'amas de l'univers passe près de la galaxie, est-ce que là, justement, les larves bleues, elles n'arrivent pas à voir, à former. On peut l'imaginer aussi, ouais, effectivement, elles peuvent trouver à manger en passant à cet endroit-là, bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais, c'est plein d'hypothèses. Hein. C'est vraiment un sujet d'actualité. Hein. Beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet ouais. Pratiquement, le début de l'univers, le début des premières galaxies, ouais. Oui, peut-être bien. Mais c'était pas des étoiles. Hein. C'était de la matière concentrée, mais c'était pas des étoiles formées, en fait, encore. Hein, tu vois. Mais en densité, vous ferez calculer la masse. Hein, donc ça, faut voir encore ce que ça donne. Bon, c'est des étoiles, en gros, en moyenne, 0,05 masse solaire. Hein. S'il y en a 500 000, ben, il suffit de faire la somme. Hein. On trouve à peu près la masse de l'amas. Hein. C'est que de l'étoile, hein, de toute façon, pas de gaz. Alors, bon, on est tranquille. Oui. Oui, oui. On voit que c'est... Bah oui, c'est des galaxies. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les premiers observateurs ont vu des boules lumineuses. Ils ont dit, oh, c'est une nébuleuse sphérique. On suppose que c'est... Bon, voilà. Puis un peu à la fois, on s'est rendu compte que c'était des ensembles d'étoiles quand on a pu les résoudre. Hein. Voilà. Oui, oui, effectivement. Oui, c'est, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Surtout, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment on peut trouver l'âge de l'amas globulaire avec le diagramme HR à la position du coude. Ça, c'est quand même une méthode expérimentale très intéressante. C'est puissant, quand même, l'outil HR. Quand on sait le faire parler, ce diagramme Armstrong-Fessel, on en voit des choses. Hein. Oui. Ouais. Ah ben c'est plusieurs, quelques heures, hein. Ah ouais, ouais, quelques... La période est l'ordre de l'heure. Hein. Ouais. Et tu les vois pulser, ah ouais. Alors que le céphéïde c'est plusieurs jours, hein. Déjà c'est un peu trop long. Ouais. Mais le mécanisme est globalement le même, c'est de la relaxation en fait. Hein. C'est dû à des phases d'alternance, de phases de transparence et d'opacité de la zone convective périphérique. Il y a un changement, oui bien sûr, ouais. Un changement de température aussi. Oui, de température, donc de couleur. Les deux vont ensemble. Forcément, parce que quand elle enfle, bah, nécessairement, elle refroidit un peu. Hein. Mais globalement, comme le facteur surface l'emporte, elle brille un peu plus. Hein. À ce moment-là. Puis après, hop, ça redescend un petit peu. Et c'est vraiment de la relaxation. On vient les monter en puissance. Hop, c'est une petite descente. Hop, ça revient. Et ça repart comme ça, toujours. En dents de scie, en fait. Hein. Alors ça, c'est typique des oscillations de relaxation physique. Faites aussi une lampe néon avec une résistance à un condensateur, vous avez exactement le même compte. C'est les mêmes équations, donc ça donne la même chose. Voilà. Mais bien sûr. Les étoiles très vieilles, oui. Au début de leur formation, elles ont pu avoir un système solaire comme nous. Pourquoi pas? Oui. On a repéré des systèmes planétaires autour de naines rouges. Oui, oui. Mais bon, ces planètes en question, bon, bah après, à mon avis, avec les effets de marée, elles doivent être verrouillées gravitationnellement sur leur étoile, parce qu'elles sont assez proches. Hein. Et puis, il y a du vent stellaire colossal qui souffle et tout, donc c'est, à mon avis, une forme de vie comme la nôtre, non. Puis, si elles sont verrouillées gravitationnellement, il y a une zone qui est toujours éclairée, très chaude, et la zone à l'ombre est très froide.
Donc il y a un différentiel thermique considérable. Juste à la partie. Mais alors là, les vents, s'il n'y a jamais eu d'atmosphère, les vents, ça ne doit pas être triste. Effectivement. Hein. Oui, c'est... Bah, le transfert thermique, il faut qu'il se fasse quelque part. Hein. C'est un transfert d'énergie, il faut qu'il est libre. C'est pas évident, hein. Ouais, effectivement. Ouais, mais la longueur, j'aurais pas fait le câble. Eh bien, je. Ah oui, c'est bon. À moins qu'on le prenne ici. À moins qu'on le prenne ici, c'est Ah ouais. Ben ça, c'est une excellente question. Je vous remercie d'avoir posé, comme disent les politiques. Mais c'est vrai que c'est le résultat de tout ça. C'est le domaine de recherche actuel. Hein. Il y a des gens qui sont dedans. Hein. Ah oui, de tout. Hein. Une population d'étoiles, le type de population. Ouais. Ouais, beaucoup. Ouais. Et dans les bras, c'est de la formation. Elles se forment dans les bras, hein, les étoiles. Donc les étoiles jeunes, elles sont dans les bras spiraux. C'est des zones de densité, en fait. Hein. Et les bras, c'est pas des, ça ne tourne pas en bloc. Hein. C'est des zones où la matière se concentre, se dilue, se concentre. Un peu comme quand vous voyez un embouteillage de voitures sur l'autoroute, il y a des zones de forte densité, puis ça progresse un peu à la fois, ces ondes de densité. Et là, c'est pareil. Et là où ça commence à se concentrer, ça y est, ça commence à former des étoiles. Alors peut-être qu'il faut que la température ne soit pas trop faible, pas trop forte. Il faut qu'il n'y ait pas des champs magnétiques, mais pas trop. Faut qu'il y ait de la poussière. Pour former une nouvelle étoile, il faut qu'il y ait un cocon de poussière. Sinon, ça s'évapore avant de faire une étoile. Alors, heureusement qu'il y a le cocon de poussière pour naissance. Sinon, ça va. La matière va s'en aller. Donc ça protège pendant que l'étoile est en train de se former. Et là, il n'y a plus de poussière dans la globule. Il n'y aurait même pas moyen d'en faire que des étoiles. Je t'en prie. Ah, ben c'est très bien, ça. On va sortir. Ouais. Thank you.